121, 122, 123, 124. Mais ça fait longtemps que vous êtes là, que vous me regardez. Mais vous faites quoi là? Parce que moi je faisais mon sport quotidien et du coup je vous ai vu. Je vous ai vu. Quoi? De quoi? Pas sauf Titan. Ah oui, c'est vrai, la vidéo. Ah ouais, d'accord. Eh ben c'est parti alors. Non mais ils m'attendent pas en plus. Eh mais... Attendez-moi quoi, sérieux. C'est pas vrai ça. Hop hop hop. Eh ouais, mais vous êtes pressé là. Attendez-moi pour la vidéo, attendez-moi, c'est mieux quand même. Bon, du coup, on s'installe tranquillement, on prend ses marques et on va y aller du coup. Bon, j'avoue, c'était pas très discret cette fois-ci comme référence. Mais, si vous avez été attentif, il y a des références à cette ville dans beaucoup de vidéos. Oui, c'est ma ville de cœur, hein, pour ceux qui le savaient pas. Bref, bon, Qu'est-ce qu'on fait là? On fait autre chose, hein. On va pas... Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce qu'il fait, tu là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, je me fous de la gueule de mec qui était dans ma promo. Mais bon, personne peut le savoir. Bon, cette vidéo est vraiment bordélique. Il va falloir recommencer, arrêter cette introduction. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va tester l'Alberta Ceratops. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit dans les commentaires, ou plusieurs, je sais pas, que les sous-espèces avaient des stats différentes. Et en effet, par exemple, le Crinitus de l'Alberta Ceratops est un peu plus rapide et un peu moins de défense. Lui, il est balancé, le Nesmoy. Et le Taurus, il a plus de défense et moins de speed. Voilà, vous le savez. Moi aussi, je le sais, merci. Ok, bon, ben, on va prendre un balancé. Hein. On va prendre un balancé, on va appeler... comme ça. Et puis c'est parti, hein. Let's go. Bon, ouais, du coup, c'est bon, c'est parti. C'est parti, le son du jeu est bon, tout est nickel. On a notre Alberta Ceratops, qui a l'air quand même assez gros, hein. Il a l'air balèze le bougre. Et on va directement tester les cris. Voir ce que ça donne. Ok. Oh, celui-là, il vient du fond de la gorge. Pas content, frérot. Hein. D'accord. Ok. Cri de... Ça, c'est cri d'appel un peu. Ouais, après, il fait comme tous les autres, hein, il se secoue dans tous les sens. Ouais, mais ça, tu l'as déjà fait, mon frère. Il y a des nouveaux cris, vous avez vu, hein, c'était pas comme ça avant. D'accord, alors, de droite à gauche. Ça, c'est vraiment pour jouer RP, mais ça sert strictement à rien. Ok. Comme toi. Ok. Ah là, c'est genre, je vais te charger. Pas mal. En fait, du coup, il y a quasiment une dizaine d'émotes en tout. Pour jouer RP et tout, c'est joli. Ensuite, il y a le chat qui va me gonfler. Barrez-vous. Ensuite, il y a deux attaques. Il y a le coup de corne. Et je sais pas ce que c'est. Ah, je crois que c'est genre, je cours plus vite, non? Pendant 50 secondes? Je sais pas. Ah non! Peut-être que c'était une charge. Je crois que c'était une charge. Va falloir retester, hein. Je me suis un peu raté. Du coup, bon, bah, niveau rotation, hein, ça a l'air quand même pas mal, hein. Moins bon que le Styraco, quand même. Mais il est clairement bon. Bon, en marche lente, c'est pourri. En tournant, en courant, ça va, c'est pas mal. Et le mode comme ça, là, bon, forcément que... Ouais, bah, ouais, c'est top. Puis il est vraiment beau, en plus, hein. Vous savez, je trouve que les dinosaures, ils se sont améliorés. Les textures et tout, il avait dit dans un patch note. Du coup, je l'avais pas relevé parce que je lis pas les patch notes. Du coup, je les lis maintenant. Bref. Ouais, ils avaient dit qu'ils avaient un peu changé la texture des dinosaures. Ils avaient retexturé pour que ce soit plus réaliste. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ok, je crois qu'on a à peu près tout fait. Ah non, la vitesse. Alors du coup, la vitesse m'a pas l'air d'aller très vite, hein. M'a pas l'air d'aller très vite, vitesse et stam, ouais. M'a pas l'air d'aller très vite. Oh, il va même à 2 à l'heure. Mais. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de stam. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de stam. Mais il va quand même très doucement. Il va quand même très doucement. On va retester du coup la charge là. Ouais. Je sais pas trop. Je comprends pas trop en vrai, hein, ce que c'est là, cette histoire. Je crois que ouais, il court plus vite en fait, c'est tout. Hein. Et on va se coucher, juste voir la stam si elle remonte vite. Ça a l'air quand même pas mal. Hein.
Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal du tout, hein. Ça a l'air pas mal, ça m'a l'air d'être une bonne bête. Et on s'en rappelle aussi de notre ami la dernière fois qui nous avait totalement protégé avec ce truc-là. En vrai de vrai, il y a un truc que je crains quand même là. Première vision, première connexion avec le dinosaure, c'est le Hasraid. Le Hasraid, je le crains parce que le dinosaure est quand même lent. Hein. Je le teste un peu là, je cours un peu dans tous les sens. Et en vrai de vrai, s'il y a un truc qui commence à nous croquer les fesses, j'ai peur de ce que ça peut donner. Parce que, ok, il se retourne bien. Mais dans la panique, comme je disais à l'un d'entre vous en commentaire aussi, dans la panique, on peut faire n'importe quoi, clairement. Et en plus de ça, ne pas réussir à se retourner. Parce que si la personne nous croque les fesses et nous lâche pas, vu qu'elle court plus vite, elle sera forcément toujours derrière nous. Mais bon, trêve de questionnement, on va aller tester. Et vous savez comment on teste le dinosaure sur cette chaîne avec la baguette. La baguette! La baguette. Et je me baladais avec mon Albertin sur une plage toute déserte. Et tu te baladais avec ton Albertin sur une plage toute déserte. Et on se baladait sur une plage toute déserte. Et on se bagarrait, on cherchait à se bagarrer sur une plage. Oh! Il est là! Un ennemi? Tu veux quoi? Il est comme il regardait comme il est agressif. Je suis obligé. Il est trop agressif. Bâtard. Forêt. Ouais, c'est gratos. Il sait. Bon, du coup, il met du bleed. Viens là. Regardez. Oh, il y a accélération. J'accélère. Voilà le concavenator. Bon, du coup, pas mal. Oh, il y a du monde là-bas. Ah, je vais régler ma stam et tout, on va aller se battre. Bon, lui, c'était un peu gratos, il s'éloignait de sa meute, de son gang, de son troupeau, de son groupe. Et il a péri sous les défenses de l'Albert Ceratops. Non, c'était pas mal, avec le petit coup d'accélération et tout, là, vraiment, j'ai bien kiffé. Ça peut surprendre de ouf. Par contre, c'est vrai qu'il y a un bouton pour report hyper facilement. Je sais pas si je vous l'ai montré. Ouais, si je crois que je vous l'ai montré. Moi, c'est Y. Chaos. Voilà. Killed by Togmar. Paf. Et du coup, il peut y avoir des problèmes. Hein. Il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est un peu dommage. Allez, je vous mets en garde. Venez vous battre. Regardez, je frotte l'eau. Les trucs. Toi tu veux quoi en fait? Tu me fais pas écrire agressif. Vas-y, mais venez vous battre. Gros. Regarde. Chlois. Aide-moi Chlois 52. Eh, je les ai tous mis en fuite. Eh, je pense qu'il est super fort ce truc-là. Et lui, on peut le défoncer, Chlois. T'as un clic gauche. Eh, toi, tu sais pas ce qui va arriver. Fais ton clic gauche. Voilà, c'est bien, Chlois. Eh, le concavenator, on le défonce tellement facilement, quoi. Voilà, ils veulent quoi? Il a l'air trop fort ce dinosaure, c'est incroyable. Ouais, par contre, les spinos et tout là, je suis pas sûr. Ouais, y'a tout le monde qui se ramène. Vas-y, venez tous. Ouais, je suis hyper agressif, et alors? Tu veux quoi, toi? Ouais, regardez, j'ai mis le boost. J'ai mis le boost. Voilà. Eh, il a eu trop peur. Venez vous battre. Et quand on met le boost, c'est abusé, hein. Il a l'air vraiment super fort. Je l'ai démoli, mais tellement rapidement. Tu veux quoi, Spino? Attendez, j'ai pas mon boost. Eh, j'ai envie de tous vous frapper, là.
Ouais, c'est vrai que j'ai un peu taré hein, quand je fais des tests, mais c'est vraiment pour tester la force du dino. Et là, vraiment, il a l'air très fort. Le système de boost, là, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. J'aimerais bien essayer de me taper le Spino, là. Je peux tanker de ouf, hein, en vrai. Ouais, non, par contre, faut pas que j'aille dessous, là. J'ai mis le boost. Je m'éloigne un peu là. Il est parti du groupe l'autre. Non. Je suis trop fort, regardez. Il est trop fort le truc. Il est trop fort. J'ai tué tout le monde. Ouais, elle a quitté le groupe l'autre hein. Chloa. Elle a vu que j'étais pas très stable. Bon par contre je vais me casser. Je vais tester la régène de la vie. Je suis dans un état, c'est incroyable. C'est vraiment trop bien, le système de charge là, d'accélération. J'aime trop cette idée. De pouvoir modifier en gros les stats de ton dino, c'est trop fort. Bon, du coup là, premières impressions, bon il est très lent, ok. Quand il court pour se déplacer et tout. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est puissant. Et tout ce que j'ai tanké quoi, c'est délire. Hein. Le Spino, j'aurais pu le tuer. En vrai, si on se débrouille bien, on peut l'attaquer sur le côté comme ça et clairement le tuer. Et la régène de la vie, bon. On la voit remonter, donc ça veut dire qu'elle est quand même... pas mauvaise, mais bon, si on a vraiment un HP comme j'avais, ce sera long, hein. Ça sera clairement long. Mais là, pour de vrai, je suis très très satisfait pour l'instant de ce dinosaure, et en vérité, de tous les herbivores. Tous les herbivores sont quand même cool à jouer. Bah du coup, ça fait un petit moment que je suis là quand même. Hein. Ça fait un petit moment que je suis là, la vie elle régène, mais pas très très vite finalement. Bon, après ça va, c'est quand même dans des délais raisonnables. Par exemple, en comparaison à The Isle et l'Acrocanthosaure, qui régène en 4 heures ou un truc comme ça. Donc ça va, là il y en a pour un quart d'heure, je pense, en vrai. Donc ça va, c'est quand même décent. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, pendant que je vous tiens et pendant qu'on ne fait rien, je voulais vous demander un petit truc. Je voulais vous proposer un sondage qui apparaît normalement là-haut dans la vidéo. C'est tout simplement, qu'est-ce que vous préférez entre The Isle et Pass of Titan. Tout ce que vous savez de The Isle et tout ce que vous savez de Pass of Titan. Tout réuni, les deux The High, le Legacy, le Everyma et le Pass of Titan, bah, il n'y en a que seul, donc voilà. Voilà, c'est juste comme ça pour un peu mieux vous connaître, tout simplement. Donc répondez à ce sondage, et en fonction du sondage, peut-être, je dis bien peut-être, oh là là, je dis bien peut-être, qu'il se passera quelque chose sur cette chaîne. Oh, il y a un Sarcosuchus là, regardez, je suis en embuscade, il m'a pas vu, hein, normalement il m'a pas vu. J'aimerais bien essayer de m'en faire un, mais le problème... c'est que si je commence à le taper et que je le mets en PLS, il va fuir dans l'eau. 100% il va fuir dans l'eau. Ou au minimum qu'il me croque, voir ce que ça donne. Je sais pas s'il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Non. Je crois pas. En vrai, c'est pas possible qu'il m'ait vu. Fais quoi, il a peur? Ouais, barre-toi, ouais. Eh, hey, Sarcosuchus, il a peur de moi quand même. Hein. Est-ce qu'il a vraiment peur? Parce qu'il sait ce que ça fait? Ou est-ce que. Il a juste pas envie de se battre et perdre sa vie? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je suis gentil, moi, les refs. Voilà, on est potes, on est potes, on est bien ensemble, on est bien. Vas-y les gars, vas-y, on n'a pas peur là, tous ensemble. Là. Franchement, j'ai trouvé un groupe comme ça complètement au hasard. Je me baladais sur la plage pour retourner à l'endroit du crime. Mais j'ai trouvé 3 frérots, enfin 2 frérots, parce qu'on est 3, mais du coup c'est fait. Vas-y le Sarco là, tu veux quoi en fait? Vas-y, à l'attaque! Casse-toi de chez nous! Voilà le Sarco.
Tu fais quoi là en fait? Voilà. Vas-y, viens te battre. C'est bien les potes là, ça c'est le bon comportement contre les sarcos. Y'a quoi là? Y'a un bruit. Y'a un bruit. Passe quoi là? Vas-y, attaque. Tu veux quoi toi aussi là? Dégage. Tu rentres pas. Toi t'es notre pote à l'Uramus, j'avais pas capté, je t'ai mis un petit coup je crois. Vas-y les sarcosucus, ça fait pas un pli là hein. Venez les gars, prenez tous de la viande, comme ça on montre qu'on est des fous. Comme ça on montre qu'on est des tarés si on a tous de la viande dans la bouche. Faites comme moi. Faites comme moi les refs. Montrez aux autres qu'on est des fous. Non, vous voulez pas? Vas-y, vas-y, on le défend ce sarcosucus. Moi j'ai toujours mon bout de viande. Oh l'attaque! Vas-y, je fonce dedans, on va voir ce qu'il fait. Ouais, ça va, il fait pas si mal que ça. Ouais, mais là par contre je vais crever là. Je suis bien bugon. Bon, dans tous les cas, fallait s'arrêter. C'était juste pour voir les dégâts qu'il me mettait. Et en vrai, ça va, il m'a enlevé un tiers de ma vie. Donc, ça va, c'est correct. Alors, bilan général de l'Alberta Ceratops. Bah, il est sympa. En revanche, je préfère quand même le Styraco, il est plus dynamique. Parce que l'Alberta Ceratops, il est quand même beaucoup plus lent. Donc, pour se déplacer sur les grandes distances de Panjura, c'est pas super. Il est quand même très fort, il tanque vraiment beaucoup. Vous avez vu le Spino quand il m'a mis des coups de queue, ça me faisait quasiment rien. Donc là, ça c'est pas mal. Il a cette attaque de charge où il accélère, où ça c'est genre juste une super bonne idée pour surprendre les autres adversaires. Ça c'est vraiment top. Bah, du coup, je crois que j'ai tout dit. Hein. Je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. Que vous aurez rigolé et passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous l'êtes pas. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est. Tchuss tout le monde!